Bonjour, je suis Benoît Averly et pour jetournelebois.com, je vais vous présenter aujourd'hui la réalisation d'une boîte à ma façon. Pour ce faire, je vais utiliser une plane, une petite gouge à profiler, un coupoir et un racloir arrondi. C'est un morceau de merisier d'environ 60 par 60 par 130 mm. Alors Benoît installe son carrelé dans son membrin, il serre bien fort évidemment. Il va se méfier parce que les mords du membrin dépassent, donc il va se méfier au niveau de ses doigts. Mais il y a une raison pour laquelle il ouvre autant son membrin, on verra ça à la fin de la vidéo. Donc il va dégrossir son carrelé à la plane, une grosse plane bien épaisse pour éviter les vibrations. On peut dégrossir comme ça, c'est très très efficace et très rapide. Alors on vérifie que ce soit bien rond, ça a l'air de convenir. Donc une dernière passe. Et Benoît dresse la face, toujours avec cette plane. Vous remarquerez que Benoît règle très régulièrement son porte-outil pour être vraiment à l'aise. Donc il dégrossit pour le bouton de la boîte. Et avant de réaliser son bouton comme il faut, il va faire la courbe du couvercle de la boîte. Et maintenant, il s'occupe de son bouton. Il va profiler d'abord le dessus et puis après la forme. Et un petit or qui va lier le bouton au couvercle. Il utilise son doigt là pour éviter les vibrations. On est quand même tout en bout là-bas. Voilà, le petit or. Benoît ajuste sa courbe de couvercle. Et il marque bien les fonds pour que toutes les formes soient bien séparées. Petit coupoir, il va réaliser la feuillure du couvercle.
Et avant de le couper, il va réaliser un petit décor, un trait donc avec la pointe de sa plane, juste au-dessus de la séparation entre le corps et le couvercle. Il coupe le couvercle. Et il va ajuster l'ouverture du corps de la boîte pour que le couvercle rentre juste comme il faut. Tout ça, il le fait donc avec une petite plane et il va creuser à la plane. On retrouve bien les gestes de tourneur de production. Benoît a fait beaucoup, beaucoup de boîtes comme ça. Quand on peut éviter de changer d'outil pour les différentes opérations, on le fait. Il aurait pu prendre une gouge ou un racloir, mais changer d'outil, c'est perdre du temps. Surtout qu'en plus, avec la plane, il va avoir un résultat très très bon. Benoît regarde la taille de son couvercle et va profiler donc le corps de sa boîte avec une courbe qui rejoint celle de son couvercle. Petit trait, petit décor comme tout à l'heure sur le couvercle. L'idée est d'avoir un trait sur le couvercle, un trait sur la boîte pour noyer en fait l'ouverture, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où c'est qu'on va ouvrir la boîte. Et il coupe le corps de la boîte du tour. Benoît a prévu un bout de bois bien plus long que la taille de la boîte. Tout ça va permettre des reprises. Il va falloir notamment là nettoyer le dessous de la boîte. Avec une gouge de 6, une petite gouge, évidemment très bien affûtée, en passe légère, il va venir nettoyer. Là, le corps de la boîte n'est pas suffisamment coincé. Donc il va refaire sa prise, un petit peu plus épaisse. Voilà.
Et maintenant, il réalise un petit pied. C'est important de soigner ces dessous d'objets. Reste à reprendre le couvercle pour l'alléger. En fait, il est assez désagréable d'avoir un couvercle de boîte lourd. Du coup, il va le creuser, ce couvercle, pour vraiment l'alléger. Alors Benoît creuse ce bout de bois pour réaliser l'empreinte et il va falloir que le bouton passe au travers. Donc il va aller jusqu'à l'ouverture du bois tout au fond. Encore un petit peu. Et voilà. Donc il va mettre le couvercle bien enfoncé et bien droit. Il tapote avec un manche d'outil. Il est bien coincé. Il va pouvoir le creuser comme il faut. Finition du creusage avec un petit racloir, tout ça doit être bien propre. Il démonte, un petit coup et le couvercle saute. Et voilà la boîte toute finie. Merci Benoît. Vous pouvez retrouver le travail de Benoît Averly sur son site benoîtaverly.com.